Once more I'll say goodbye to you. Salut les gens, c'est Gamer, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Hot Girl. Salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, on est sur GTA 4. Je viens de buter une meuf là. On est sur GTA 4 en live. Et donc, on avait trouvé une petite idée qui pourrait être bien sympa avec Gamers. En fait, on va aller en multi sur GTA, comme on est là, et on va faire le tour de tous les modes de jeu en fait. Donc, en multi, il y a quoi, une quinzaine de modes de jeu. Donc, on fera voilà, une quinzaine de vidéos, un truc comme ça. On verra. Ah, il y en a une quinzaine. Ah, quand même. Ouais, ouais, une douzaine. Enfin, il y en a, c'est de la grosse merde. Donc, on s'apprend. Tu vois, genre, il y a Deathmatch, ouais. Deathmatch en équipe, c'est la même chose. Donc, tu vois, on fera juste un. Oh, merde. Ok. Regardez pas. Sinon, moi, c'est la première fois que je l'essaye en multi. J'avais essayé, donc ça sera la première fois pour moi. Toi, t'en as déjà fait plusieurs avec Alex. Ah, oui, je suis déjà niveau 2. C'est super dur à passer niveau 2. Genre, les niveaux sur GTA sont super longs pour ceux qui savent. Enfin, bon, j'ai pas beaucoup joué non plus, mais voilà. Donc. En tout cas aujourd'hui, donc là, on est en mode groupe, donc mode groupe, c'est partie privée si je peux dire. Et puis on va vous faire quoi ? On va vous expliquer un peu tout. Et puis on va faire un peu de cascade, un peu de butage de gens, ouais. Comme normal dans GTA. Donc pour commencer, donc je pense qu'on va le tout premier mode de jeu qu'on va faire, c'est le mode deathmatch. Donc pour ceux qui connaissent pas deathmatch, c'est deathmatch, c'est match à mort en anglais. Donc c'est chacun pour sa peau, donc c'est une mêlée générale. Donc on a le droit à tout, toutes les armes, enfin ça dépend de la configuration du jeu. Si je suis l'autre par exemple, je mettrai seulement les mitraillettes ou seulement les pompes, les fusils à pompe. Après je peux mettre certains types de voitures, de motos, tout ça. Donc tu peux vraiment personnaliser les parties. Et franchement ça peut être marrant. Enfin moi j'en ai déjà fait Calypse et franchement on s'est tapé des barres. Bah pour l'instant on va faire une partie privée là, ce qu'on fait en ce moment. Voilà donc. Ça va pas durer trop longtemps, c'est juste. Oui voilà, c'est juste histoire un petit peu GTA. Vous montrer 2-3 sauts et donc voilà, donc ce qu'on va faire juste après c'est donc déjà je voulais juste dire un truc avant le mode multi de GTA, pour ceux qui possèdent GTA, je vous conseille de tester parce que franchement moi j'ai GTA depuis quoi, GTA 4 je l'ai depuis 1 ou 2 ans, j'avais jamais testé le mode multi parce qu'avant j'avais les Xbox et franchement après avoir fait la campagne là c'est la troisième fois que je la termine. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de rejouer en multi. Il y a des modes de jeu qu'on fait que à deux, donc des genres des missions mafia où on doit aller chercher de la drogue ou prendre un véhicule, prendre un tank, buter des gens, enfin bref. Et il y a des modes vraiment multi en public, c'est-à-dire avec des autres gens, donc en deathmatch. Il y a des courses poursuites, des courses, on a le droit aux armes, des trucs comme ça, des gendarmes et voleurs, tout ça. Franchement, il y a un paquet de modes de jeu. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de ouais, faire ça. Et puis à la limite, si tout le monde, si quelques des abonnés de Gamers et moi possédaient GTA, peut-être que ça serait bien parce que voilà, un petit truc à plusieurs, ça serait vraiment sympa, du genre un deathmatch ou des courses ou des trucs comme ça, ça serait fun parce que le problème que je voulais parler, c'est dans GTA 4, il commence à y avoir de moins en moins de monde. C'est-à-dire que, par exemple, les modes de jeu comme Deathmatch, vous trouverez toujours des personnes. Mais le problème, c'est que les autres modes de jeu que j'ai envie d'essayer, que j'ai toujours voulu essayer, je suis toujours tout seul parce que personne ne les lance. Et je trouve pas ça super normal parce que GTA, je pensais qu'il y avait plus de gens qui jouaient. Mais la plupart du monde joue à GTA en solo, enfin, ce qui est normal parce que la base, c'est un jeu pour ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera le tour des modes de GTA 4, le tour de tous les modes de jeu. Et ouais, voilà, j'espère que ça vous plaira. En plus, c'est un peu normal vu qu'il est sorti quand même en 2008, donc ça va faire bientôt 5 ans. Donc, voilà, c'est sûr. Après, c'est un peu logique qu'il n'y ait personne, quoi. Voilà, mais c'est dommage. C'est comme si tu allais sur FIFA 8, voilà, c'est ça, que tu trouves beaucoup de monde. C'est pour ça que je demande aux abonnés s'ils peuvent nous venir avec nous, comme ça on pourrait tester tous les modes sympas. Être sympa. Et voilà, je voulais juste dire un truc aussi, on n'en a pas parlé avec Gamers, hein, je viens d'y penser. Moi, ce que je voulais faire dans GTA à la base, après ma première vidéo qui a plutôt bien marché, vu que j'ai un peu plus de 700 vues, ce que j'avais pensé, c'est faire par exemple des courses, enfin pas des courses poursuites, mais avec la police par exemple, essayer de comment ça s'appelle, de virer la police, donc on a 5 étoiles, essayer de se barrer. Ouais. Essayer de s'échapper, voilà, essayer de... Ouais, de baisser le niveau de recherche, voilà, quoi. Baisser le niveau de recherche avec un certain type de voiture, par exemple avec un bus. Voilà, ça aurait pu être bon, tu vois. Donc j'avais essayé, je m'étais entraîné... Bah c'est surtout impossible, hein. Faut être chaud, hein, pour réussir. Alors au début j'ai fait 4 étoiles avec une moto, normal, après j'ai fait 4 étoiles avec un bus, voilà, avec un camion.
Après, j'ai fait 5, 6, par contre 6 étoiles, j'ai essayé avec une Oh là Turismo, là, quel conducteur! c'est impossible. 6 étoiles, c'est strictement impossible. J'ai jamais réussi. Parce Ah, qu'il y a 6 toujours étoiles, un il faut hélico vraiment qui te aller vite. repère et ça te refait la zone à te barrer. C'est impossible. Ouais. À part aller dans le Pence Rail, là, le garage, tu peux pas. Donc voilà, donc je pensais que ça pouvait être sympa de faire Ouh! avec 5 étoiles. Et enfin, essayer de se barrer de 5 étoiles avec plusieurs défis. Donc voilà. Et puis voilà, donc ça c'était ma petite idée vu que GTA, franchement, c'est un jeu à grand public. Tout le monde, entre guillemets, aime ça. Et voilà, bah moi j'aime bien rouler vite, buter des keufs et se barrer, enfin s'échapper. Ah, moi aussi, je mets au défi quiconque de d'être un conducteur, d'être un aussi bon conducteur que moi sur un GTA. Non, je rigole. Bon, ça j'arrive pas trop mal à conduire. Ah, le pire c'est Saint-Tro. Saint-Tro, la conduite Ouais, c'est trop elle est tellement fluide, c'est voilà. fluide. Enfin, dès que tu tournes, la voiture elle Voilà, tourne, mais c'est tellement vraiment. facilité qu'une fois que j'ai rejoué à GTA, putain j'ai fait wow, Ah, ça fait super bizarre. c'est impossible. Donc on fera aussi T'as du l'impression Saint-Tro que du la coup. roue elle colle au sol. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on fera aussi du Saint-Tro, enfin GTA c'est un peu plus réaliste, mais Saint-Tro c'est un peu plus délire. Ouais, ça se trouve, bah on fera peut-être une vidéo dessus parce que j'en ai pas sur ma chaîne, je crois. Ah ouais, bah moi je crois pas non plus. Donc Si t'en là, as. Non, non, non. vous savez que sur nos chaînes on fait beaucoup de trucs différents pour que tout le monde soit à peu près tout le monde trouve son bonheur, si je peux dire Ouais, ça. voilà. Donc voilà, on fera sans doute des vidéos de Saint-Tro et de GTA, bah là on est en train de la Bah faire. moi, c'est pas trop le cas pour l'instant, parce que de te couper. Moi, j'ai que du Call of pour l'instant, mais j'ai bah je l'ai déjà dit sur l'ancienne vidéo. Ouais, tu Je vas l'ai faire un World Show, vite non? fait. Bah pour l'instant, j'ai Dead Island qui est en attente, que je vais faire sûrement dans la semaine, et bah GTA qui va sortir, après on va faire du Saints Row, donc ça va changer un petit peu de Call of, quoi. Voilà. Bah moi c'est vrai que ma chaîne, je l'ai. Au début tu m'avais dit quand t'as créé ta chaîne que tu voulais faire surtout du Call of. Alors que moi Ouais, c'était bah c'est plus en fait. principalement du Call of, mais Voilà. je savais que j'allais faire d'autres jeux quand même. Putain. Mais bouge de là. Donc bon, faudrait peut-être se retrouver là. Tu viens ou quoi? Ouais, bah je suis en train de rouler un peu partout. On devrait stopper la vidéo et commencer tout de suite à faire les mods. Ouais, donc Là ça fait 7 minutes, je pense que ça suffit. Ouais, j'ai roulé vite et tout pour donner une impression de suspense. Enfin bref. Donc. Ben, bon, on se trouve et on se tue et après on arrête la vidéo, Voilà, c'est d'accord? ça. Logique, Voilà, ça. donc j'avais pas trop d'autres trucs à dire. J'espère que tout le monde a eu une bonne rentrée, ça s'est bien passé tout ça. Ouais, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Nous, moi, pour Non. ma part, je rentre en première. Toi, Voilà, tu rentres en moi seconde. aussi. Donc voilà. Donc on fera sûrement pas mal de vidéos, sachant qu'il faut taffer cette année. Ouais, grave, c'est clair. Faut vraiment que je réussisse ma première. Donc c'est Ouais. pour ça, peut-être les vidéos, il y en aura un petit peu moins, mais bon. Voilà, bah moi je vais essayer Et quand même d'en faire au moins une par semaine, toi Voilà. aussi. Faut voir après. Ouais. Donc, voilà. J'espère que vous allez apprécier ce petit tour des mods. Ça va vous donner envie de jouer à GTA. Sur ma chaîne, vous trouverez aussi bientôt du Just Cause, du Skyrim toujours. Du Skyrim, j'en mets super souvent. Enfin, j'en mettais super souvent avant qu'il y ait les vacances. Et voilà, du Just Cause, du Saint-Tro, du tout ce que vous voulez. Donc voilà, on termine sur cette tentative réussie. J'ai même plus de porte. Le mec, il a pas peur de tomber là. Oh putain. Enfin bref. Aussi voilà, je voulais juste demander un truc sur GTA, si vous pouvez dire dans les commentaires, parce que j'ai toujours un truc à vous demander dans les commentaires de toute façon. Est-ce que vous voulez qu'on mette la radio du jeu pendant qu'on joue, ou ça vous fait chier, ou ça fait trop de bruit, ou vous préférez pas mettre une radio laquelle, plutôt du rap, du rock, du ce que vous voulez. Voilà, dites ça dans les Ouais, moi commentaires. j'ai déjà entendu sur GTA, je crois c'était ouais GTA, il y a du rap français. Ouais, c'est Beats, J'avais entendu je Cynique. suis en train de Ouais. mettre là. Et j'ai regardé, tu sais, il y a un genre de numéro où t'appelles et il te dit la musique. Je sais pas si tu Ouais. fais ça. Et donc voilà, ça te dit les mecs qui chantent et tout. Franchement, je trouvais ça pas mal. Bah. Et après, t'as une chaîne de reggae aussi qui est pas trop mal. C'est Tuf, Tuff and Gong, je pense. Voilà, il y a que du Bob Marley quasiment. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Ouais, salut tout le monde. MP.